Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans 60 minutes économie. On parle économie tous les jeudis, 13-14 heures. Infrastructures de transport ou appelées aussi logistique de transport, route, mer, port, aéroport et rail, voie ferrée. Ce sont ces réalisations qui permettent la circulation des biens et des personnes sur le territoire national et dans le commerce extérieur. Leur densité, leur fluidité, leur diversité, leur efficacité et leur coût contribuent à gagner du temps, à acheminer, à fournir aux consommateurs dans les meilleures conditions des biens de consommation et tout autre produit, en tout cas, quel que soit son utilisation. L'efficacité du secteur des transports est mesurable par la fréquence de rotation, la diversité des destinations, la rapidité, la sécurité et les coûts. La Banque mondiale a classé en 2023 les 6 critères d'évaluation de l'efficacité des pays en matière de transport, à savoir l'efficacité de la gestion des douanes, la qualité des services logistiques, les opportunités de transport, la possibilité de suivre et de tracer les marchandises, la facilité d'organiser des expéditions à un prix compétitif, les délais de traitement, de chargement, déchargement de conteneurs et de manutention. Le classement a donné les meilleurs scores aux pays suivants: le Singapour, la Finlande, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, la Belgique, le Canada et le Hong Kong. Le classement des meilleurs transporteurs maritimes sont donc CMA CGM français, l'Italo-Suisse MSC, le Danois Maersk et l'Allemand Hapag-Lloyd. Dans ce numéro de 60 minutes économie, nous allons parler principalement du transport de marchandises à travers les différents modes d'existence en Algérie. Une bonne partie sera consacrée au transport maritime parce que justement le fret maritime représente plus de 80% des échanges de marchandises dans le monde grâce à ses grandes capacités, à ses coûts compétitifs en comparaison avec les autres moyens de transport, même s'il demeure le transport le moins rapide. Et puis pour finir cette longue introduction, alors pour exporter, nous le savons, le critère numéro 1 est de pouvoir expédier la marchandise dans les meilleurs délais, les meilleures conditions et au moindre coût. Le transport donc contribue largement au développement économique et il renseigne surtout sur le niveau des échanges commerciaux import-export dans un pays. Nous remercions les responsables du secteur des transports pour avoir accepté de participer à ce numéro en désignant Madame Abadi Farah, directrice commerciale d'Air Algérie, qui va se joindre à nous dans quelques minutes. Monsieur Abdelkrim Rezel, ancien cadre du ministère spécialisé dans la marine marchande. Vous êtes conseiller aujourd'hui au ministère des Transports. Monsieur Lariat Idraïa, vous êtes conseiller du président directeur général d'Air Algérie en charge de la stratégie. Monsieur Ben Krourou Hassan, vous êtes représentant de Serport et vous êtes directeur du développement. Également monsieur Abada Abdrahman, vous êtes directeur de la planification au ministère des Transports. 60 minutes économie. Tous les jeudis de 13h à 14h. Question préambule, question introductive, très simple, hein. Monsieur Abdrahman, directeur de la planification, en quelques mots, quel est le champ d'action du ministère des Transports? D'abord, permettez-moi de vous remercier ainsi que les auditeurs de la chaîne 3. Donc, le secteur des transports intervient dans le transport de passagers et de marchandises, tous modes confondus, le transport ferroviaire, le transport aérien, le transport maritime et les transports routiers. Il y a également tout ce qui est transport par métro, tramway, téléphérique, tout ce qui est transport guidé. En quoi consiste l'intervention du ministère des Transports? Vous êtes plutôt dans la stratégie ou dans la gestion, à travers les démembrements? Voilà. Le ministère des Transports intervient d'abord dans la définition de la stratégie nationale de développement des transports, intervient également en matière de gestion de
toutes les activités de transport, l'adaptation de la réglementation des transports avec les besoins. Les besoins, avec Qu'il s'agisse de l'évolution. circulation des personnes ou des marchandises. Bien sûr, évidemment, avec également l'évolution de la réglementation internationale en matière de Port transport, de parce que marchandises, oui. l'Algérie, elle est partie prenante des conventions International. internationales, notamment tout ce qui est aviation civile avec l'organisation de l'aviation civile internationale et l'organisation maritime internationale. Alors, il y a souvent on fait un peu la confusion pour voilà les non-initiés à ce secteur. Lorsque vous parlez de transport, précisément pour comprendre réellement votre champ d'intervention, donc vous parlez de l'équipement roulant ou vous parlez des infrastructures, plateformes? D'accord. Donc, madame, le secteur des transports, donc avec la nouvelle organisation, donc il y a tout ce qui est infrastructure des transports Donc et port, aéroport. aéroports, chemin de fer, métro, tramway et téléphérique sont en étude, en réalisation, sont à la charge du ministère des Travaux publics et des Transports. Et là. Ministère des Travaux publics en tant que réalisateur Outils de de réalisation. réalisation, donc là en étude et en réalisation. Et là, je précise lorsqu'il s'agit de projets neufs, mais tout l'entretien du réseau, des réseaux, c'est à la charge du ministère des Transports. Il y a également tout ce qui est superstructure de ports, d'aéroports, de chemins de fer, donc Oui. sont à la charge du ministère des Transports. D'ailleurs, il y a un programme d'investissement inscrit à l'indicatif du On va y ministère. venir. Attendez, doucement, D'accord. doucement. On fait d'abord un petit état des lieux et après on va parler Voilà. évidemment de. Alors comment on déploie la question? C'est toujours adressé à vous êtes adressé, Monsieur Araba Abdrahman, directeur de la planification. Comment est-ce qu'on peut résumer en quelques mots la cartographie du transport des différents modes de transport en Algérie? Là, pour donner une vision très globale. D'accord. Bon, je commence par tout ce qui est portuaire. L'Algérie dispose de 56 ports, dont 10 ports Destiné. nationaux de commerce et 46 ports de pêche, donc répartis sur la côte algérienne. Donc, nous disposons de 36 aéroports ouverts à la circulation aérienne publique également. Nous disposons également d'un réseau de chemin de fer exploité par la SNCF qui dépasse les 4000 km. Voilà pour les trois modes de transport. Nous disposons également de sept tramways dans sept villes et 13 téléphériques. Donc vous intervenez aussi bien dans votre stratégie de déploiement dans le secteur du transport sur les tronçons à réaliser, Voilà. sur l'entretien de ces tronçons routiers, voies ferrées, ports et aéroports. C'est-à-dire que vous avez donc des organismes qui réalisent les besoins d'entretien ou de construction. Pour la réalisation des infrastructures, donc il y a ce qu'on appelle les maîtres d'ouvrage délégués. Donc le programme inscrit à l'indicatif du secteur du transport est délégué à travers des conventions de maîtrise d'ouvrage délégués aux maîtres d'ouvrage délégués qui réalisent donc chacun dans son domaine. Voilà. Une dernière question pour vous avant d'enclencher donc le débat sur le transport des marchandises en Algérie, la logistique destinée principalement à l'export, ce qui nous intéresse aussi intimement. Alors le ministère, il trace une stratégie, mais avant ces stratégies, il répond à un besoin. Alors de quel besoin aujourd'hui, les nouveaux besoins exprimés par les opérateurs économiques, puisqu'on parle de marchandises, à quel moment le ministère des Transports enclenche et choisit des projets en fonction de quoi? D'accord.
Les projets de développement du secteur des transports s'inscrivent dans le cadre de schéma national d'aménagement de territoire. Et pour le secteur des transports, il y a des schémas directeurs pour chaque mode de transport. Oui. Donc, c'est des études détaillées sur les besoins de l'économie nationale en matière d'infrastructures, d'équipements. Qui vous fait parvenir ces besoins, Voilà. justement, à votre niveau? Quelles sont les structures, les organismes qui vous font remonter l'information des besoins, par exemple? Le besoin est déterminé à travers des études confiées à des bureaux d'études spécialisés dans le domaine, chacun dans son domaine. Donc, actuellement, on travaille sur l'actualisation du schéma national de plateforme logistique, qui est un projet d'étude qui est en cours de lancement. Il sera lancé et il sera donc réceptionné au cours de cette année. Donc, ce schéma va nous éclairer sur les investissements futurs en matière de plateforme logistique. La même chose pour le chemin de fer, port et aéroport. D'accord. Les études, aujourd'hui, vous dites qu'il y a des études, qu'il s'agisse de voir un peu la satisfaction, on va dire, des usagers, hein, des usagers sur les transports. Il y a la démographie qui incite et qui dicte les projets à venir. C'est l'ouverture de nouvelles villes également qui vous dicte un maillage plus important du rail ou des routes ou l'implantation de nouveaux aéroports en fonction de la densité. Quels sont aujourd'hui les résultats des études? Qu'est-ce que révèlent les dernières études qui viennent combler des vides? Où se trouvent aujourd'hui les vides et les besoins? Dans le besoin actuellement, donc en matière surtout de transport de marchandises, l'agriculture maintenant, c'est le développement au niveau des hauts plateaux du sud, généralement sud. Donc, le secteur des transports doit accompagner cette tendance. Donc, en adaptant les réseaux de transport à cette demande de l'économie nationale. Donc, il y a également tout ce qui est gisements et de mines, tels que Garage Billette, le projet de phosphate intégré. Donc, le secteur du transport accompagne cette tendance de développement et ces projets structurants de l'économie nationale. C'est-à-dire à travers le choix, le premier choix qui est porté sur une logistique de transport en national, c'est le route, c'est la route, c'est le rail, c'est le port. C'est l'aéroport. Quels sont par Au, ordre par ordre de d'importance, priorité, là où on mise davantage? D'accord, donc c'est toujours le rail. La préférence, c'est le rail parce que c'est un transport de masse, Sûr, c'est un transport sécurisé, moins polluant, sécurisé qui même moins permet coûteux. de réduire le poids du prix de la logistique sur le prix du produit final. Donc, c'est toujours le rail. Puis les Ensuite, deuxième autres, position. voilà. En deuxième position, c'est la roue. Bien sûr, c'est le développement du maritime. Bon, ils sont pas En en compétition, c'est des compétition. compléments. Le maritime complète le rail. Bon, ce sont des modes complémentaires. Ils se complètent. Monsieur Urzel, et puis l'occasion, bien sûr, j'essaie de suivre une certaine logique pour vous distribuer la parole. Monsieur Urzel Abdelkrim, vous êtes un ancien cadre au ministère des Transports et vous étiez en charge du département de la marine marchande en C. Aujourd'hui, que le transport de marchandises dans le monde est occupé par le secteur maritime, c'est 80%. En Algérie, est-ce que nous sommes dans cette même tendance, notamment dans l'exportation précisément, ce qui nous intéresse d'ailleurs, l'importation, on le sait pertinemment, c'est le secteur maritime. Pour l'exportation en Algérie, le secteur maritime occupe également une première place. Ou pas. Merci madame. Je vous remercie aussi pour l'intérêt que vous portez au secteur de transport qui est reconnu comme le vecteur déterminant pour le commerce, qu'il soit le commerce international ou le commerce national. Merci.
Vous avez si bien dit que le commerce international, il dépend à 80% du transport maritime, notamment. En 2023, 11 milliards de tonnes de marchandises ont été transportées par mer. En ce qui concerne l'Algérie, notre dépendance est encore plus forte puisqu'elle avoisine les 25%. On a toujours dit que l'Algérie elle a un statut quasi insulaire, comme si on est une île. Nous sommes tellement fortement dépendants de la mer. Nous avons la mer au nord et nous avons la mer au sud, c'est le Sahara. Donc l'Algérie, depuis l'indépendance, a consacré une priorité au transport maritime en développant le pavillon, la CNAN, qui disposait d'une importante flotte. Et maintenant, nous sommes en train de reconstituer notre flotte maritime pour accompagner un peu l'économie algérienne en matière de diversification, en matière de promotion des exportations hydrocarbures et pour atténuer la forte dépendance vis-à-vis des armateurs étrangers, les majors, les cinq majors. Donc nous sommes en train de reconstituer notre flotte à travers la CNAN. Il y a eu récemment le pavillon national, il y a une fusion de deux filiales pour créer une nouvelle compagnie CNAN du Jazeera qui aura une plus grande force d'énergie et d'action en matière de transport. Quel est justement jusqu'à quel point on peut remplacer les armateurs étrangers par la flotte, par le pavillon algérien aujourd'hui, puisqu'on on est dans une dépendance quasi totale? Comme premier objectif, après l'achèvement du programme de développement de la flotte qui avoisine 25 navires marchandises diverses, nous avons ciblé le taux de couverture de 25% avec ses moyens propres, oui. Bien sûr complété par des capacités de navires affrétés progressivement. Nous ambitionnons d'augmenter progressivement notre part de marché, notamment le transport de marchandises, parce qu'en matière d'hydrocarbures, nous avons quand même une couverture assez appréciable avec les navires. Ça revient à combien justement, quelle est la facture à baisser en termes de services de transport avec les armateurs étrangers? Ça revient à quel est le coût de transport maritime et la voisine, les 3 milliards de dollars, entre 3 milliards de 200 par an. Donc plus on augmente les capacités, plus on réduit cette facture. Qui paye cette facture? Eh bien, c'est le consommateur en fait de course. C'est le consommateur. Final. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est d'améliorer les capacités de transport. L'inflation pour nous vient ici. Bien sûr. Il faut payer ces prestations de services. Pas uniquement l'Algérie, tous les pays du monde. Dépendent du transport, qu'il soit maritime ou ferroviaire, ça dépend de la position. Vous êtes un pays littoral ou vous êtes un pays enclavé. Si vous êtes un pays enclavé, vous dépendez aussi des pays du littoral. Donc ça devient plus compliqué. Nous avons la chance d'avoir une ouverture sur la mer Méditerranée, une position stratégique pour pouvoir non seulement capter une partie de ce trafic qui passe, ce qu'on appelle le trafic de transbordement, mais aussi le trafic domestique pour nos besoins propres. Donc il y a toute une stratégie, Monsieur Araba, vous avez posé la question. Il va en parler encore, oui. On n'est pas encore arrivé à... Oui, on n'est pas là pour mettre en place une logistique, un système de transport et de logistique intégré de bout en bout. Pour rester dans le transport de marchandises, quels sont les points noirs qu'il faut traiter aujourd'hui? Vous avez parlé de l'indice de performance en matière de logistique et le classement de l'Algérie dans ce domaine-là. Et vous avez parlé de critères des infrastructures logistiques, l'aspect facilitation de ce qui est les douanières, ce qu'on appelle le commerce, les formalités douanières aussi. Transfrontières. Ça veut dire qu'il y a plusieurs intervenants. Il y a la douane, le commerce, le port, la santé, le phytosanitaire, ainsi de suite. Oui. Donc, pour améliorer ce critère-là,
qui a impacté à un certain moment la fluidité, le transit des marchandises, nous sommes en train de passer à la numérisation de ces procédures par la mise en place du guichet unique portuaire, ce qu'on appelle l'Algerian Port Community System, et la douane qui vient de lancer leur système, le guichet unique douanier. En ce moment, nous sommes en train de travailler sur l'interopérabilité de ce système pour dématérialiser toutes les formalités depuis le départ de la marchandise jusqu'à la réception. C'est-à-dire que les documents, tout va être dématérialisé, tout le pli cartable, les formalités bancaires. Sans se présenter, c'est-à-dire à partir d'une application, l'opérateur peut faire accomplir toutes les formalités. Le contrôle, il se fait physiquement, mais même le contrôle, on est en train de l'alléger. Donc, ça veut dire on va passer à des contrôles, ce qu'on appelle pas systématique, un contrôle ciblé, un contrôle ciblé. Il y a tout un processus intégré en matière de. C'est l'aspect. On a parlé d'un point faible. Le point noir. Le deuxième point faible, ou pas point faible, oui. Qui est un c'est les surestaries. Pas les surestaries, c'est les infrastructures. Le critère d'infrastructure, là, nous avons avancé parce que nous avons quand même l'Algérie. Extension des ports. Tout. Les équipements de chargement, de déchargement, ça, de stockage. Il de... n'y a pas un pays qui a investi dans les infrastructures comme l'Algérie. Ça avoisine les centaines de milliards de dollars depuis tous les programmes confondus en matière d'optimisation, de modernisation des ports, en matière de programme de ferroviaire, c'est un des plus grands programmes dans le monde, le routier, l'aéroportuaire, mais pas les infrastructures. Nous avons aussi les capacités, les moyens de transport, dont vous avez parlé des navires, les avions, le parc roulant, les locomotives, nous sommes en train d'investir, le transport routier, les camions, tout ça, c'est toute cette infrastructure et capacité, bien sûr, avec tout ce qui va avec, c'est la modernisation, la numérisation. Ce travail, il est en train d'être fait sur les ports. Pas uniquement sur les ports. Le guichet unique douanier, il va intégrer tout, son extension à l'aérien et aussi aux frontières terrestres. Ça doit intervenir dans les années. Les années. Dans les 2-3 années qui viennent, pour ne pas dire avant. Je vous reviens, monsieur Rezel. Alors, représentant de Serport, monsieur Ben Kourourou Hassan. Directeur du développement, les ports. Alors, l'action de Serport est justement d'aménager les ports, mais également, c'est-à-dire faire des extensions, décider des extensions en fonction de la politique dressée par la tutelle, qui est le ministère des Transports. Donc des aménagements, mais également travailler, puisque vous travaillez en partenariat avec DP World et avec un autre partenaire pour les opérations de manutention, de chargement, d'embarquement, de débarquement des marchandises, etc., de stockage. C'est ça votre mission au niveau de Serport. Bonjour madame. Bonjour. Merci pour l'invitation. Donc, le groupe Serport, il gère les 10 ports de commerce nationaux, plus 46 ports de pêche et de plaisance. Donc, l'activité du groupe Serport, c'est des activités commerciales. Donc, on a l'aconnage, la manutention et le remorquage. Mais on intervient aussi dans les travaux d'extension, d'entretien des infrastructures portuaires. Donc, actuellement, il y a les deux projets phares en termes de développement des infrastructures. C'est le projet MOL 5 au niveau du port d'Arzeau. Oui. Ce mall, donc avec trois quais commerciaux et une infrastructure pour la réparation navale. Donc cette infrastructure de réparation navale va permettre de l'entretien et la réparation de l'ensemble de la flotte nationale au niveau national. Donc d'accord, on n'aura plus d'accord. besoin de réparer nos navires, les pavillons nationaux à l'étranger. Les trois quais commerciaux, donc avec un tirando très important. Oui. Donc, ils vont permettre d'accoster et de traiter des navires de grande taille. Donc, et ça va contribuer à réduire la facture et le coût logistique maritime.
Donc actuellement, on a des... Alors le coût, vous le dites bien. Oui. Donc, il y a des extensions, c'est le besoin exprimé par beaucoup d'opérateurs qui font des exportations assez importantes, en évolution en tout cas, notamment du côté de l'Ouest. Le tirant d'eau, l'extension des ports, la manutention, le rythme de chargement, déchargement, traitement des marchandises est un vrai point bête noire des opérateurs. Notamment la fréquence, la rapidité, il y a vraiment beaucoup de on parle de vraiment de grandes défaillances à ce niveau-là. Il n'y a pas la rapidité nécessaire dans le traitement des marchandises. C'est ce qui est dit, en tout cas par les opérateurs qu'on a eu l'occasion de recevoir dans ces mêmes studios. Oui, donc, d'ailleurs, on ne figure pas sur les bons classements. On prend en charge toujours les réclamations de nos clients. Et c'est pour ça qu'on a mis en place... C'est dû à quoi, justement? On a mis en place... C'est l'infrastructure. Donc, on a les ports sont des ports à faible tirant d'eau, actuellement, et des faibles longueurs des quais. Donc, on ne peut pas recevoir des grands navires. Donc, on ne peut pas ramener les navires de 60 000 tonnes, notamment les Panamax, sauf dans un seul port. Donc, le port de Jinjin, qui est réalisé dans les années 90. C'est le plus récent infrastructure. Il y a le port de Hamdaniya, qu'est-ce qu'il devient? Le de Cherchel. Il y a avant le port de Cherchel, il y a vous beaucoup. Vous pouvez intervenir pour compléter, monsieur Araba, voilà, pour ne pas mettre en difficulté. Non. Mais puisque vous êtes dans la stratégie, vous pouvez compléter la réponse attendue sur cette question. Avant de parler de nouveaux ports, donc il y a l'extension des infrastructures actuelles. On doit optimiser l'infrastructure actuelle parce que le coût de réalisation d'un port, elle est très 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 élevée. Donc, avec des possibilités d'extension comme le port d'Arzeux, on a réalisé en 2021. Donc, l'État a réalisé un terminal à conteneurs au niveau du port d'Oran. Oui. Il y a le quai minéralier au niveau du port d'Arzeux. Oui. Donc, qui permet d'accoster des navires de 200 000 tonnes. Et c'est rare dans la mer Méditerranée, 200 000 tonnes. Donc, avec des performances, donc on peut le décharger. Donc 4 jours ou 5 jours, c'est une performance conforme aux normes admises dans ce domaine. Et on a, pour répondre un petit peu à la demande des exportateurs, donc le MOL 5 va permettre de charger plus de 4 millions de tonnes de marchandises à l'export au niveau de la Wilaya, au niveau de l'interland du port. Donc au niveau de la Wilaya d'Oran, on peut charger à l'export plus de 4 millions de tonnes. Donc on a aussi les travaux de réalisation du terminal à conteneurs de Jinjin, qui est un port de transbordement. Ce sera le premier port algérien de transbordement. Donc on n'aura plus besoin de décharger les grands navires dans la rive nord de la Méditerranée et les ramener dans des petits navires au niveau des ports algériens. Et il y a un surcoût à payer en devises. Donc le port de Jinjin va permettre. Et là, c'est la rapidité. Il y a d'autres pistes d'amélioration, c'est la numérisation. Donc en 2021, on a mis en place une plateforme appelée APCS, Algerian Port Community System. C'est un guichet unique. Donc on a même créé une filiale pour le développement de cette plateforme. Et cette plateforme permet de numériser l'ensemble des documents liés à la logistique. Il y a une autre plateforme liée au contrôle, donc c'est la plateforme RCS des douanes. Et on est en train de travailler ensemble pour créer l'interfaçage entre les deux plateformes, et ça va réduire considérablement le temps de contrôle et de passage des marchandises au niveau de nos ports. Alors, je ne me fais pas le porte-parole des opérateurs, mais voilà, c'est une partie importante dans l'appréciation. C'est eux qui pratiquent les ports et qui exportent ou importent. Donc, les points noirs, c'est l'extension des ports. Donc, il faut les étendre, il faut faire des extensions. C'est le traitement de leurs marchandises et ils se plaignent des surestaries. Qui paye les surestaries, c'est-à-dire les coûts, les taxes induites par la mobilisation d'un navire, d'une marchandise, d'un conteneur, au-delà des délais permis par la réglementation commerciale. À quoi sont dues ces lenteurs? Monsieur, je veux une réponse de monsieur. Donc au niveau, quand on parle de la place portuaire, il y a on a pas une idée des surestaries qui sont payées?
annuellement? Non, à un autre niveau. Une moyenne? Monsieur du ministère, personne n'a d'informations sur les surestaries payées, monsieur Rezel? Madame, et qui les paye? Le terme surestaries n'est pas bien cerné par tout le monde. Il y a deux types de surestaries. Oui, il y a les surestaries navires qui arrivent et restent en rade au-delà de la période de franchise qui est dans le contrat. Donc, le navire n'est pas traité dans les délais. N'est pas traité, donc il y a un taux de... un encombrement au port. Ouais, une surestarie qui est payée quotidiennement jusqu'à ce que le navire rentre. Pour entamer les opérations de... déchargement. De déchargement, mais on parle de ce qu'on appelle les surestaries conteneurs. Les surestaries conteneurs, lorsque tous les conteneurs, on traite 1 500 000 conteneurs par an. La moitié à l'import, ils viennent remplis, presque la moitié à l'export. Maintenant, vide, mais avec la promotion des exportations, on commence quand même à remplir nos conteneurs à l'export. Donc, lorsque l'armateur du conteneur accorde un délai de franchise, à partir duquel il commence à comptabiliser les surestaries conteneurs. Ensuite, il y a un taux progressif. Les premiers 15 jours, c'est 25 dollars par conteneur jour. Oui. Ensuite, ça monte. Oui. Donc, ces surestaries sont comptabilisées jusqu'à 90 jours. Donc, si le conteneur n'est pas restitué dans les 90 jours, les surestaries sont comptabilisées et il a le droit à leur transfert, bien sûr. Pas toutes les... Qui paye les surestaries et quelle est leur moyenne annuelle? Les surestaries sont payées pour le conteneur, c'est le consignataire. C'est le consignataire. Qui est le consignataire? Pas le consignataire. Non, non. C'est celui qui importe Oui, c'est le client final. C'est le client final. Le client final, c'est qui? C'est l'importateur. Qui paye les surestaries? Bien sûr. Ah oui, l'importateur de notre côté, bien sûr. C'est celui qui importe. J'ajouterai juste, madame, si vous permettez. C'est-à-dire quand on parle du port, on ne parle pas de l'entreprise portuaire chargée de la manutention. Ouais. Donc on intervient pour le débarquement, pour l'accostage du navire, le débarquement des marchandises et on attend les formalités administratives. Oui. Et donc il y a des lenteurs un peu sur toute la chaîne, c'est ça que... Le dédouanement, les contrôles phytosanitaires, les contrôles de... Pas ça, tout. Du commerce. Oui, et donc les lenteurs aussi dans le chargement et déchargement? Non, il n'y a pas de lenteur dans le chargement et déchargement, c'est-à-dire avec les moyens qu'on dispose des ports actuellement, il n'y a pas vraiment de... Pour le conteneur, je parle pour le conteneur. Pour les autres, il y a un programme ambitieux de plus de 40 milliards de dinars pour équiper les ports, notamment les équipements les plus modernes. On parle de portiques de quai, on parle de portiques de stockage, on parle de ship loader pour tout ce qui est clinker et ciment. Oui. Donc on a arrêté une feuille de route pour répondre aux besoins de l'économie nationale, notamment à l'export. Dans les ports les plus dynamiques. Exactement. Actuellement, on a près de 50% du volume exportation, elle est constituée de clinker et des ciments. Donc, on a lancé un programme pour l'acquisition de 5 shiploaders. 5 shiploaders, c'est des équipements de chargement automatique qui vont permettre de charger, de décharger de 1500 à 2000 tonnes par heure au lieu de 300 par heure actuellement. D'accord. Quelle est la moyenne de débarquement, de chargement, déchargement journalier? Quel est le tonnage moyen par jour sur nos ports? Allez, on prend les plus grands ports, Alger, Oran, Djidji. Ça diffère d'un port à un port. Combien de tonnage? On ne peut pas donner une moyenne parce que... 3000 tonnes, 4000 tonnes? C'est selon la nature de la marchandise. Le conteneur, il est plus rapide. On a le divers, on a le vrac. Donc, il y a plusieurs méthodes de déchargement et chargement. Allez, quel est le maximum de jours de déchargement? Non, je peux vous donner le chiffre global de l'année 2023. Il y a des normes internationales. 2023. Oui. Donc, l'échange, donc le volume traité par les ports, il est de 126 millions de tonnes. On est en progression de 6% par rapport à 2022. Et cette tendance haussière est maintenue durant le premier trimestre 2024. On a enregistré une augmentation de plus 5%. Donc là... On met combien de jours pour charger un produit? Selon la quantité, le volume et la taille du navire. Parce que... Oui, monsieur...
le temps de chargement diffère, comme il vient de dire Monsieur Bokhrolo, selon la nature de la marchandise. Donc, on n'a pas. Donc, c'est. Il y a des normes. Il y a des normes, mais je pense que la réalisation du quai, le port de Jinjin et le terminal a contribué nettement dans l'amélioration de la situation et va impacter positivement. Le prix final des produits, que ce soit à l'import et à l'export. Donc, on a d'abord, il faut qu'on développe les infrastructures, on finalise et on réception tout ce qui est programmé comme projet. Et puis, il y a d'autres mesures à prendre par les ports pour réduire également les temps de chargement. La question que j'ai posée tout à l'heure sur le grand port Hamdaniya, qu'est-ce qu'il en est ? Monsieur Araba, Monsieur Rezel, il continue, on l'exploite pas, voilà. Vous savez, la nécessité de créer un grand port en eau profonde, elle est indéniable. Personne ne peut dire le contraire. Mm-hmm. Pour pouvoir accueillir les navires de dernière génération, parce que normalement, les porte-containers actuellement, ils sont à 25 000 EVP. Nous, les navires qu'on accueille actuellement dans les ports, c'est 2000 EVP. Vous voyez la différence. Mmh. Donc, la nécessité de créer un port en eau profonde, elle est inscrite, elle est inscrite dans le schéma directeur développement portuaire déjà depuis 2008. Maintenant, il y a eu le port de Hamdani à un certain moment qui a été une option. Il y a eu des études. Il n'y a pas eu de travaux en lancé aussi. À ma connaissance, pas encore. Maintenant, créer cette capacité à Hamdaniya ou à un autre endroit de la côte, sur la côte algérienne qui est de 1600 km, le choix sera déterminé au moment opportun. Est-ce qu'on va continuer avec le port de Hamdaniya ou faire une extension d'un autre port ou créer une autre infrastructure? Mais la nécessité, elle s'impose en matière de réalisation pour être au diapason de ce qui se passe partout dans les grandes nations maritimes pour pouvoir, et notamment en Afrique, les pays africains qui sont en train de développer des ports en eau profonde pour être les acteurs logistiques du continent africain dans le cadre de la ZLECAF. Donc l'Algérie, avec toutes ses infrastructures portuaires, autoroutières, ferroviaires et la transsaharienne, gagnerait à se doter d'un gateway, ce qu'on appelle un portail logistique, qui est un grand port en eau profonde, pour jouer le rôle d'acteur logistique passionnément. Je donne la parole à, justement, maintenant on va parler, on reviendra encore au transport de marchandises par voie maritime et le développement du pavillon algérien par l'acquisition de bateaux, par les partenariats, par l'ouverture du secteur au secteur privé, aux opérateurs privés pour l'acquisition ou l'affrètement, notamment dans le domaine du fret cargo. Monsieur Lariati Drahiya, oui, vous êtes conseiller du président directeur général d'Air Algérie, vous êtes en charge de la stratégie. Le cargo, donc le fret, le transport de marchandises par cargo, est très faible finalement dans la panoplie des transports utilisés en Algérie pour les marchandises, à l'export notamment, ou même sur les lignes intérieures. Bonjour, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'invitation et je salue nos chers auditeurs par la même occasion. Donc, permettez-moi aussi de rebondir sur ce qui a été dit jusqu'à présent. Donc, pour le mode aérien, les objectifs assignés au pavillon national visent à permettre à nos concitoyens et opérateurs en Algérie, mais aussi à notre communauté à l'étranger, d'avoir un système de transport viable par voie aérienne, efficace et moderne, répondant aux critères de sécurité, de confort, de coût, de gain et même en termes d'écologie. Donc, pour revenir à la filiale cargo, les missions principales d'Air Algérie Cargo sont bien déterminées. Donc,
Donc ça commence bien sûr avec la commercialisation des capacités de transport mixte. Ce qu'on veut dire par les capacités de transport mixte, c'est la mise à la disposition des soutes disponibles pour les avions passagers. Mm-hmm. Donc la gestion d'un programme de vol cargo régulier et charter aussi. La prestation des services de handling fret transportés à bord des avions de la compagnie mère. La prestation des services de consignation fret sous douane. Mais assure aussi la prise en charge et le suivi normatif de l'activité fret pour la société mère. Maintenant, pour la disponibilité en termes de moyens et ressources, la filiale Cargo exploite les capacités soute des 54 avions passagers. Donc c'est une capacité moyenne qui varie entre 500 kg et 12 tonnes par avion. Mm-hmm. Donc c'est, c'est peu, mais ça reste quand même exploitable. Ça vient en complément des capacités exclusives Cargo. Donc entre Wilaya. Non. Ou à l'export, exclusivement à l'export. Ces capacités sont mises à la disposition des opérateurs. Exportateurs ou si un opérateur souhaite transporter même il n'y a pas de en ligne domestique. C'est-à-dire c'est faisable aussi entre Oran, Char, pour des produits sensibles ou les produits frais. Selon l'urgence, parce qu'il y a des modes opératoires qui sont assez urgents. Il faut transporter la marchandise urgemment d'un point A à un point B. Et le cargo, fret cargo n'est pas destiné au besoin du transport de marchandises en interne, pas en national. Ça pourrait l'être. Les capacités sont disponibles pour en cas de besoin. D'accord. Donc pour les capacités, je reviens pour les bien sûr, en termes de capacités, si vous permettez. Donc les capacités exclusivement cargo, nous avons la filiale cargo dispose d'un avion all cargo, donc d'une capacité de 20 tonnes, mais aussi d'un ATR en quick change, c'est-à-dire c'est un avion passager qu'on peut convertir rapidement, il est convertible en avion cargo d'une capacité de 5,6 tonnes. Est-ce qu'on estime, avec ces capacités qui ne sont pas énormes évidemment, est-ce qu'il y a une demande qui va amener la compagnie à... Est-ce qu'il y a une demande aujourd'hui, un besoin qui est exprimé en matière d'exportation via le cargo à l'international, en national, et que Air Algérie Cargo ne peut pas encore à ce jour, avec ses moyens, répondre à cette demande. Dans le cadre du plan stratégique de la compagnie, il est question de renforcer la flotte cargo de la filiale cargo. Ce renforcement se vient à la suite de la conversion des avions passagers. Donc il y a un plan de développement flotte qui est en cours pour l'acquisition de 15 appareils passagers. Et à la suite de la réception de ces aéronefs. Il y a des échéances, oui. Il y a des échéances qui, je ne suis pas habilité à les communiquer aujourd'hui, mais ces échéances ne sauraient tarder. Donc à la réception de la flotte passager, il va y avoir une sortie de flotte passager d'un certain nombre d'appareils qui sont reconvertis en cargo. Pour parler justement d'Air Algérie Cargo, les pouvoirs publics ont ouvert l'exploitation des lignes aériennes nationales, internationales, cargo ou passagers. Qu'en est-il de ce projet, de cette invitation des opérateurs pour l'affrètement, pour l'achat, monsieur Arabada? Araba Abdrahman du ministère des Transports. Où en est cette opération d'ouverture du secteur dans l'aérien et dans le maritime en même temps? D'accord. En application des directives des pouvoirs publics, donc le ministère des Transports a procédé il a ouvert un chantier pour revoir les textes réglementaires régissant les deux secteurs aérien et maritime pour permettre
donc aux opérateurs. Aujourd'hui, il n'y a pas de demande. Il y a parce que donc dans ce domaine très particulier, l'investissement est très lourd. Donc il y a d'abord une demande de les opérateurs manifestent d'abord l'intérêt pour l'investissement dans ce domaine. Donc et puis il y a toute une procédure là. Maintenant, à l'heure actuelle, nous sommes dans la phase de revoir les textes réglementaires régissant l'investissement dans ce domaine, les deux domaines. C'est-à-dire qu'est-ce qui ne va pas dans ce texte pour qu'il soit revu ? Parce qu'il n'y avait pas l'ouverture sur le prévi. Maintenant, on ouvre, mais la manière comment... Mais est-ce que les conditions et les critères sont favorables, sont faciles ? Est-ce qu'il y a des consultations avec des opérateurs qui ont l'intention, mais qui voudraient que les textes soient plus accessibles, notamment pour l'affrètement, le coût de l'affrètement, qui va financer cet achat ou affrètement? Voilà. Donc, il y a un dialogue qui a été ouvert donc, avec, pour l'aérien, avec l'Agence nationale de l'aviation civile. Donc, elle reçoit les opérateurs qui ont... Et elle est en train d'examiner les modalités, comment faciliter encore l'accès à ce marché. Je donne la parole à M. Rezel sur l'acquisition par achat en fonction de l'âge aussi de l'avion, des avions ou des bateaux. Est-ce que c'est accessible à nos opérateurs? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que c'est rentable pour les opérateurs? Et qu'est-ce qui peut les freiner dans la nouvelle dans la réglementation? La dernière fois, on a débattu cette question sur l'investissement maritime absolument, et aérien ouvert au public. Où on en est depuis? La question demeure posée. Et vous avez, monsieur Laraba, parlé, j'ai dit la dernière fois que l'investissement dans le maritime et aérien est fortement capitalistique. J'ai donné un ordre de grandeur pour acheter un petit cargo. Ça varie entre 20 millions de dollars, ça peut aller jusqu'à 800 millions de dollars. C'est une obligation d'acheter, hein? Il n'y a pas d'affrètement possible. Si la réglementation maritime, elle autorise non seulement d'acheter des navires d'occasion jusqu'à 15 ans et au-delà, au-delà bien sûr il y a des conditions, c'est que le navire subisse une inspection de la part de l'administration. C'est autorisé par la réglementation bien actuelle. Bien sûr, c'est autorisé. Il y a deux, trois formes pour obtenir la concession de transport maritime. Oui. Soit disposer d'un navire en toute propriété ou disposer d'un navire par leasing, savoir, ou bien location, en recourant à l'affrètement à temps ou bien en coquenu. Mais le problème, même si vous allez affréter, l'affrètement aussi, ça coûte cher. Donc, c'est pour ça que les investisseurs qui ont manifesté leur intérêt, que ce soit pour l'aérien, pour le maritime, ils les réclament des facilitations, un accompagnement par les banques algériennes. Et c'est là où le ministère du Travail est en train de travailler. Le ministère des Finances est en train de travailler avec le ministère des Finances pour pouvoir trouver la solution la plus appropriée. C'est lourd pour les banques de financer, monsieur Araba? Bon, pour le moment, on n'est pas arrivé au stade de financement, il vient de dire M. Rezal. Donc, l'investissement a été facilité en autorisant l'investissement avec des moyens usagés au lieu de neufs. C'est la loi des finances complémentaires 2022 qui a introduit cette disposition d'investir avec des moyens usagés. Maintenant, les textes d'application... vont définir les manières comment accéder à ce marché. Il me reste trois petites questions. On est à quelques minutes de la fin de l'émission. D'abord, en terme, même si vous ne le dites pas vous, les opérateurs s'en plaignent, c'est le temps de traitement de la marchandise, embarquement, débarquement et toutes les procédures annexes administratives, donc les lenteurs d'acheminement, d'embarquement, etc. Est-ce que le secteur justement du chargement, déchargement, de la manutention est ouvert au secteur privé? Est-ce qu'un opérateur peut acquérir un quai qui lui est destiné à sa propre production et travailler et en mettre les équipes pour, par exemple, pour plus d'efficacité, de rapidité dans l'envoi de marchandises à l'export, monsieur. Monsieur de Serport. Oui, donc il y a les concessions d'activité, donc il y a une
concession donnée pour exercer des activités de manutention. On a des exemples, donc Alger et Béjaïa et Djindjin notamment. Mm-hmm. Et on a des concessions, ce qu'on appelle autorisation d'outillage privé avec obligation de service public. Donc il y a des opérateurs économiques qui peuvent bénéficier d'une concession à l'intérieur du port pour le déchargement et le rechargement des marchandises pour leurs propres besoins seulement. Donc c'est faisable. Oui, c'est faisable. C'est une location de quai. C'est une concession, donc c'est une concession. Ça se fait déjà ? Ça se fait, oui. À quel niveau ? Il y a au niveau de Béjaïa, au niveau de Djindjin, au niveau d'Alger. Donc c'est des sous-traitants privés en fait. C'est des opérateurs économiques qui interviennent dans les avec opérations leurs moyens, avec leurs moyens et avec leurs équipes. Oui, oui. D'accord. Une question sur l'intermodalité. Je vous laisse tous, s'il vous plaît, un dernier mot sur l'interconnexion rail. Rail, marine, bateau, rail, également aéroport, l'intermodalité au niveau des ports, par exemple, quels sont les ports sur lesquels on envisage ces infrastructures de hub, monsieur de Serport. Donc on a un port modèle, c'est le port de Djindjin, donc il est à 3 km d'une gare de triage ferroviaire, il est à 15 km de l'aéroport. Il y a l'autoroute, donc le PK0, il démarre du terminal, du nouveau terminal à conteneurs. Donc cette intégration verticale, donc on essaye de dupliquer ce modèle au niveau de l'ensemble des ports, notamment là où il y a des travaux d'extension. Donc c'est vous permettre une logistique de bout en bout où la logistique multimodale est possible avec tous les moyens du secteur de transport. Aujourd'hui, il n'y a pas un exemple d'un hub qui apparaîtrait réellement, c'est celui de Djindjin. C'est celui de Djindjin, oui. Monsieur Rizel. Celui de Djindjin, on peut ajouter celui d'Oran, le nouveau terminal à conteneurs qui bénéficie d'une connectivité à la pénétrante à l'autoroute Est-Ouest. Ensuite, tous les ports, les 10 ports, doivent être connectés. Il y a des projets de pénétrante ferroviaire et de pénétrante autoroutière, justement pour améliorer cette fluidité, cette intermodalité, connecter le port à l'autoroute, au ferroviaire, et bien sûr, quand on dit au ferroviaire, c'est disposer et bénéficier de tout le réseau ferroviaire du territoire, monsieur Laraba parlait de 6 000 km, et à moyen terme, c'est les 15 000 et plus km avec les corridors qui vont du nord vers la frontière sud, et pour aller plus loin en Afrique. Oui, vous pouvez nous dire un mot sur justement les projets en cours envisagés pour faire des hubs portuaires avec l'interconnectivité avec les autres modes de transport de marchandises. D'abord, déjà, les ports actuellement sont connectés au réseau ferré. L'ensemble des ports sont connectés au réseau routier et ferroviaire. Donc, j'ajoute pour l'aérien, donc il y a le projet de hub de l'aéroport d'Alger et celui de l'aéroport de Tamaras. Mm-hmm. Déjà, il y a une étude qui a été lancée pour une zone fret au niveau de l'aéroport de Tamaras pour le rendre comme hub de transit. Voilà, elle est en cours, donc voilà, pour le portuaire. Je donne la parole à monsieur de la PAU à... Beaucoup représentants d'Air Algérie, vous êtes donc en charge de la stratégie. Encore, on va parler de la production, l'exportation cargo. Quels sont aujourd'hui les produits les plus exportés par ce mode, leur type et les quantités, les plus importantes quantités, donc, vers quelles destinations? Oui, donc par rapport, on va parler des types de fret transportés par avion et traités au centre cargo. Donc nous pouvons avoir d'un type général, donc du cargo palletisé en carton ou des matières finies ou semi-finies. Nous pouvons avoir aussi du périssable, donc c'est des produits alimentaires, des produits pharmaceutiques, des matières dangereuses, et notamment des produits chimiques éventuellement ou d'autres produits dangereux, du courrier express, des animaux vivants. Je donne un exemple. On importe
des poussins d'un jour. Oui. Dont le transport est assez sensible et assez très très urgent. Là, vous parlez d'importation. D'importation. Hein. Oui. L'exportation, on a du périssable principalement. Donc les fruits et légumes, les dattes, l'huile d'olive. Tout ce qui est destination habituelle. Destination habituelle, il y a l'Europe, le Moyen-Orient, un petit peu, nous avons aussi la Chine. Et récemment aussi, il y a un marché qui est porteur, c'est le Canada, Montréal. Les quantités les plus importantes exportées à ce jour via cargo fret. Le cargo, je peux vous donner un chiffre qui date, c'est le consolidé de 2022. Oui. Donc le chiffre, il est à 15 200 tonnes transportées durant l'année 2022. Pas de chiffre pour 2023. Pas encore. Pas encore. Monsieur Rizel, dernière question pour clore. Il y a une stratégie nationale qui est liée à la plateforme logistique. Plateforme logistique. Bien sûr, le schéma national d'aménagement des territoires, il repose sur 19 schémas, et notamment pour le secteur des transports, il y en a 4. L'un de ces 4 schémas, c'est le schéma national de réalisation des plateformes logistiques. C'est ces plateformes-là qui vont Absolument. Permettre l'intégration de tous les modes de transport. Il y a donc tout un programme d'implantation de plateformes logistiques spécialisées en fonction de la productivité. Expliquez-nous de plateformes logistiques pour l'auditeur en une plateforme minute. Logistique, c'est une base mm-hmm. où on fait de la massification de flux. Ça veut dire que tous les producteurs Produits. Vont massifier leur flux au niveau de la plateforme logistique à partir de la plateforme logistique. C'est un grand stockage. On fait d'autres opérations, de l'étiquetage, on fait du conditionnement, on fait de l'emballage, on choisit l'unité de transport, soit un conteneur, soit un camion. À partir de là, on choisit le mode le plus approprié pour exporter soit à l'international, au national ou les grandes distances. C'est un grand marché de gros. Exactement, le marché de gros. Marché de gros. Ajouté à cela, vous avez tous entendu le programme des présidents. Nous n'en avons pas aujourd'hui. On est en train de. Nous avons le groupe Logitrans a réalisé un embryon d'une plateforme logistique à Tamaracet, à Dabdab, à Tindouf, et il y a les 9 projets de zone franche qui, elle aussi, constituent. Une sorte de plateforme logistique plus grande que plateforme logistique. Merci beaucoup à nos invités, M. Abdelrahman Abdelkrim Rezel, M. Lariati Dreyhia de Algérie, M. Ben Krourou Hassan de Serport, M. Araba Abdelrahman du ministère des Transports. Merci infiniment, chers auditeurs. Aïcha Hammer, merci et toute l'équipe.